tunafia nini ni wa mama e kukosa amani watata wawawa mukongo e na bila sababu mukongo e tunafia nini wa mkongo e kukosa amani mukongo e wa mama wabakwa mukongo e Baba na wafiwa mukongo e Pia nini wa mama e Kukosa amani Kongo e Tukosa amani mugoma e Tuomba amani mugoma e Pia nini wa mama e Sisi wa mama tunabakwa Sisi wa mama tunachinjwa na wabwana zetu wanachinjwa na watoto wetu wanachinjwa. Wengine watoto wetu wanabebwa hatujue wanaenda wapi. Ndio maana tunafanya maandamano katika mji wa Bukavu kusema sisi wa mama bote, komunote zote, ba mama bote bafike tuomboleze kwa sababu ya vita. Tunakataa vita, tunakataa vita. Tunakataa vita, tunakataa vita. Hatupende vita tena. Tunakimbia kimbia wenzetu kule Goma, wenzetu kule nani Saki, Masisi, Beni, wenzetu wanaangamia, wenzetu wanaangaika. Ndio vile tunafanya maandamano hii. Tunakataa vita. Nous sommes venus pour revendiquer. Nous sommes venus en pleurant. C'est pour cela même, vous allez voir, que nous sommes en tenue noire. Nous sommes venus dire non aux atrocités à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus dire non aux viols et violences sexuelles basées sur le genre dans le corps de la femme parce que la guerre persiste et ce sont plus les femmes qui en souffrent. C'est la jeunesse qui en souffre et c'est la jeunesse qui est fragilisée. Alors que nous avons le même droit, la femme congolaise a le même droit que d'autres femmes dans le monde. Et son corps doit être respecté. Le corps de la femme congolaise ne doit pas être un champ de bataille. Moi je m'adresse à la communauté internationale parce que ceux qui nous font la guerre sont soutenus par la communauté internationale. Donc les ambassades qui sont hébergées dans notre pays, elles doivent relayer ce message. Et je m'adresse beaucoup plus aux agresseurs, aux ennemis de la paix, non seulement au Sud Kivu, mais en République démocratique du Congo. Qu'on nous aide à retrouver la paix. La femme a besoin de pain. Mais on dit qu'il n'y a pas de pain sans paix. Donc il faut qu'on nous donne la paix pour que nous ayons également le pain. Nous sommes rassemblés ici. C'est pour compatir ensemble avec notre communauté, la population du Nord Kivu, en particulier, et Ituri et Sud Kivu, et que nous demandons la communauté internationale puisse prendre ses responsabilités. Nous demandons aux rebelles M23 de quitter le sol congolais et laisser les Congolais en paix, laisser les Congolais construire leur pays, laisser les mamans, laisser les femmes, qu'ils arrêtent avec la question de toutes formes de viol, de violences, de toutes sortes d'atrocités, que la population de l'Est, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri sont victimes. Nous demandons à notre président de s'investir pour que nous ayons la paix dans notre pays. Mais nous demandons aussi aux pays voisins qui nous agressent, qui viennent envier notre richesse, de nous laisser tranquilles et de laisser notre pays tranquille parce que nous ne devons pas être victimes de notre richesse naturelle. Nous sommes une organisation des jeunes filles. Je suis la relève de la femme et nous sommes là pour accompagner nos mamans dans leur objectif qui a été de compatir avec le maman, les jeunes filles du Nord Kivu, d'Ituri, qui se font massacrer chaque jour, chaque nuit, qui se font violer, qui se font aller enlever par des rebelles M23. Et la communauté internationale ne dit rien et ça nous révolte. On en a marre.
Et là, on s'est dit qu'on ne devrait pas fêter, porter les pagnes, mais on devrait aussi montrer notre mécontentement. C'est pourquoi nous sommes là, vêtus en noir, pour dire non au massacre que nos jeunes sœurs, les jeunes filles du Nord Kivu, sont en train de subir maintenant. Les gens sont en train d'être massacrés au Nord Kivu et à Ituri et la communauté internationale reste silencieuse. Mais on la voit très déployée pour la question de la bande de Gaza et pour l'Ukraine. On se pose la question si ce sont des mouches qu'on tue en RDC. Nous avons demandé à la communauté internationale de faire respecter nos frontières. Nous avons demandé à la communauté internationale aussi de veiller sur les rapports mapping. Nous avons aussi demandé à la communauté internationale que les agresseurs de notre pays soient sévèrement punis. Que la communauté internationale impose au Rwanda de se retirer de notre pays. Nous voulons que la communauté internationale puisse intervenir, nous départager et faire son travail. Nous voulons la paix, rien que la paix. Je voulais dire à la femme du Nord Kivu qu'elles ne sont pas seules. Vous avez vos sœurs de partout dans ces pays. Aujourd'hui, nous les femmes de la province du Sud Kivu, de cœur avec vous, regardez-nous. Nous sommes habillées en noir pour refuser ce que vous êtes en train de subir en tant que femmes. C'est injuste. Et nous voulons vous dire aussi de tenir fort, car le meilleur est à venir. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour rire. Ce temps arrive, nous déclarons la paix, nous déclarons la stabilité de la dignité de la femme congolaise et vous qui êtes au Nord Kivu. Nous sommes de cœur avec vous, soyez fortes. On ne les laisse pas, ils doivent comprendre, elles doivent comprendre que les jeunes filles du Sud Kivu, elles sont là pour eux. Elles vont continuer à se battre main dans la main pour qu'un jour, cette situation du Nord qui vous prenne fin. Masisi